Salut gens d'internet, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait extrêmement longtemps que j'ai pas lancé Minecraft. Là, il est quoi, 4h du matin. Je m'en allais me coucher, puis là, j'ai dit genre, ouais, attends. Et là, j'ai eu l'idée de jouer sur Opsified parce que dernièrement, ben, j'ai arrêté de jouer sur Skill PvP et je sais pas trop, je savais pas trop où jouer. Et je me souviens qu'il y a Opsified ouvert il y a pas longtemps. J'avais fait une vidéo où ce que genre, je découvrais un peu le launcher, etc. Mais bon, à ce que j'ai compris, vous l'avez pas aimé. Beaucoup d'entre vous ont dislike parce qu'à ce qui paraît, je suis un gros cancer. Je sais pas trop c'est quoi votre souci avec ça. Mais bon, à ce qui paraît avec vous, je sais pas comment expliquer ça, mais avec vous, on dirait que je dois vraiment faire juste du faction ou juste faire des vidéos genre... sérieuse, etc. Quand je fais des vidéos un peu plus drôles, un peu plus cancer, dans le type un peu plus amusante pour moi à tourner, j'ai l'impression que vous les aimez pas, etc. Donc, qu'est-ce que je vais faire, les amis, pour vous faire plaisir aujourd'hui? Comme d'habitude, vu que je suis une personne gentille, je vais faire un let's play faction sur Opsified. Je sais pas qu'est-ce qu'on va réellement faire, en fait. J'ai rien du tout, en fait. J'ai juste linké mon compte YouTube sur le site pour avoir... le grade YouTuber. J'ai le grade, le kit légendaire. Je sais pas si c'est bon ou quoi que ce soit. J'ai pas aucun kit ni rien. C'est genre pour nous avancer. Mais faudrait s'éloigner. Et prendre du bois. Y'a-t-il un random TP? Non. RTP. Ah oui, voilà. Donc, vous avez été déporté aléatoirement à 2847 blocs plus loin. Super. C'est pas vraiment le biome que j'aurais espéré. J'aurais aimé ça avoir du bois pour pouvoir prendre... pour faire des coffres, quoi. Mais aussi, je sais pas s'il y a Raise Minimap. Raise Minimap. Minimap. Maker Option. Ah, ils ont changé. Oui, ouais, on changeait avant. On pouvait voir les skybase, etc. avec la petite map dans le coin en haut. J'allais dire, on peut peut-être chercher une skybase. Ça, ça date de Opsified V3, si je me souviens bien, ou... Dans les alentours-là. Excusez-moi, comme je dis, il est genre 4h du matin, les boys. Fait que, dans le fond, faut que je trouve juste un biome de où est-ce qu'il y a du bois. Et je vais vous reprendre quand est-ce qu'on prend du bois. Attends. Oh, pendant qu'on s'en va là-bas, j'aurais aimé ça qu'on me fasse une faction abonnée dans le sens que j'essaierais d'avoir un AP, genre d'acheter un AP ou quoi que ce soit, genre avec les joueurs un peu plus tard. Et avec les joueurs qui ont des AP qui sont prêts à la vendre ou à me la donner ou peu importe, qu'est-ce que voilà quoi. Je ferais en sorte qu'on puisse avoir peut-être un avant-poste et en gros, j'aurais mon home à moi toute seule, genre tu sais, moi je fais tout le temps des home, pas claim, etc. Et les formes seraient à la paix, puis on aurait du monde, on recruterait des gens qui ont déjà des sky, des trucs comme ça, et qui auraient du stuff dans le fond. Pour PVP, donc vous, certains d'entre vous pourraient PVP avec moi. Et je pense que ça pourrait vraiment... Oh, il y a des arbres là. Je pense que ça pourrait vraiment être intéressant dans le sens que, tu sais, genre, à la place de toujours PVP tout seul, ben, j'aurais une faction qui pourrait PVP avec moi, dans le fond. Puis en plus, ça serait des abonnés. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que si on peut mettre des gens alliés ou quoi que ce soit, là, c'est, ça dérange pas vraiment hein, en vrai, mais... Faudrait soit se créer une faction abonnée, je pense, c'est ce qu'on va faire, ou sinon avoir des bons alliés et tout seul avec des bons alliés. Donc je sais pas, je vais réfléchir durant l'épisode, je vais prendre du bois puis on se retrouve après. What the fuck les gars, ça mine bizarre les arbres. Check ça. The fuck? The fuck? C'est automatique. Oh, check en plus les lâches à... Non. The fuck, attends, faut que je vous montre. What the fuck? What the fuck? Ok, ben c'est trop simple ce serveur-là, c'est bon, on a déjà tous nos coffres, les gars, venez-vous-en, on se casse d'ici. What the fuck? C'est bien bizarre. C'est avec une hache normale? Ben ouais, toi. What the fuck? C'est noise. Hello, motherfucker.
Ouais, je me balade dans la jungle comme Tarzan je continue à m'avancer. J'ai utilisé des perles pour aller plus vite. Les gars, tu sais, je veux dire, j'ai pas envie de non plus de passer 10 millions de temps là-dessus. Mais on va s'éloigner, crafter des coffres et on va se faire un petit truc à niveau de la bedrock, quoi. On est. Ok, j'allais dire on est loin du spawn, mais regardez. Loul, j'ai caché mes coordonnées avec la façon la plus intéressante et la plus intelligente du jeu. Top, j'avais oublié qu'il y avait ces petits cris de bruit-là. Il n'y a pas une façon qu'on puisse baisser le son de ces cris de bruit-là. Oh, du maître James, faut que j'enlève ça. Oh, on est sauvés, les amis. Ouf. Je comprends pas, genre, comment j'ai eu des droppers. Parce que, genre, regardez ici, genre, nouveau succès, la première fois que vous allez miner, genre. J'ai juste miné un peu de cobblestone, comme vous pouvez témoigner. Et puis là, ben, ça me dit ça, genre, what the fuck. Ok. Je suis rentré dans ma VP, les gars, et regarde, il y a ce gars-là, genre, il dit, je peux prendre le skin avec toi, s'il vous plaît, poteau. Et là, j'étais genre, je me souviens, j'avais fait une admin série, je vais vous la mettre dans la description si vous voulez aller la voir. J'ai fait une admin série et le gars, il cheatait, donc j'ai dit, bien sûr, jeune cheater. Et là, le gars, je me souviens de lui, juste parce qu'il a cheaté. Là, il a skippé, il a cheaté juste pour me parler. Je suis pas trop sûr à propos de ça, les amis. Hein. Un cheater un jour, cheater toujours. Cause, voilà, il serait d'accord avec ce que je viens de dire, n'est-ce pas? Lol. What the fuck? Ok, comme ça. Bon, 25K, je pense que c'est assez, mes amis de l'internet. Nous, tout ce qu'on veut, dans le fond, c'est faire une petite place. Avec des coffres, un instant. Oui, je suis là. J'ai compris. 2 secondes, s'il vous plaît. J'aimerais faire une bonne BP, là. Donc, déconcentre-moi pas, s'il vous plaît. Ok, comme ça. Comme ça. Comme ça, comme ça. Là, ici, on va miner ça, ici. Puis, au pire, au fur et à mesure, on pourra toujours l'agrandir. Mais, je pense pas, anyway, qu'on va avoir, genre, énormément de stuff pour être avec vous, là. Parce que, j'ai pas l'impression que Copsifat, c'est un serveur aussi cheap que. Que où ce que je jouais avant, ce qui est le PvP. Je pense que sur Opsifight, ça va être beaucoup genre plus difficile d'avoir des dons, etc. Genre, il n'y a personne encore qui m'a offert de dons. Pas que ça me dérange, je veux dire, en vrai, ça me dérange pas tant que ça. Et c'est correct, quoi, tu vois, je veux dire. On va mettre ça là, comme ça, genre. Là-dedans, on peut mettre des items. Donc, on pourra mettre nos items un peu plus rares dans les droppers. Et aussi, j'utilise un pack de textures de Kalan, donc le Kalan pack. Off by Fayless. Vous allez sur le forum et il va être là. Ne vous inquiétez pas, quoi. Il est sur le forum. C'est juste ça que j'avais à dire, quoi. Donc voilà. Je vais pas mettre le coffre là parce que j'ai l'impression que ça nous fait faire des petits rollbacks. Malheureusement. Mais bon, pour l'instant, c'est quand même correct. Je pense. Après, qu'est-ce qu'on peut faire aussi? C'est qu'on pourra miner ça ici. Comme ça. Genre comme ça. Ouais, je pense qu'on va faire ça comme ça, les gars, pour l'instant. Je pense que ça va être vachement bon. Faudrait pas oublier de faire un set home ici sur set home base. Ce serait vraiment con qu'on. Oh shit. Je vais demander aussi à Schwertz si on peut pas avoir des kits, etc. Pour nous aider. Parce que je vais être avec vous, les amis. Je vais pas jouer genre H24. Hein. Je joue très peu en Minecraft dernièrement, les amis. Je joue beaucoup à Rust. Beaucoup d'entre vous doivent savoir c'est quoi ce jeu. C'est un genre de jeu de survie que sincèrement j'adore en ce moment. Je joue tous les jours, énormément de temps par jour. Donc voilà quoi, je veux dire. C'est pour ça que je joue pas tellement Minecraft dernièrement. C'est pour ça qu'il y a aussi pas beaucoup de vidéos sur ma chaîne. Mais je vous promets que je vais faire de mon mieux pour vous proposer des vidéos de bonne qualité. Parce que voilà quoi, on approche bientôt. On a bientôt les 22 000 abonnés. En fait, on a les 22 000 abonnés, je pense. Et quand j'ai vu qu'on avait les 22 000 abonnés, ça m'a vraiment motivé à faire une vidéo, en le fond, parce que justement, je suis arrivé là grâce à vous. Je peux pas vous abandonner, commencer à faire des vidéos sur Rust, etc. Même si j'ai déjà, je vais pas vous mentir, j'ai déjà fait une vidéo sur Rust, mais étant non répertorié. Je me demandais peut-être que vous auriez aimé ça la voir, ou peut-être pas, je sais pas. Mais en gros, voilà. Oh shit, on peut voir toutes les crafts des affaires et tout.
Damn! Ah oui, nice. Ah, il est vraiment sick son texture pack. Regardez les épées. Oh shit! La montre. Les deux underparts, je les trouve vraiment magnifiques. Ça, c'est les clés, c'est le caddie, je sais pas à quoi ça sert. Pizza, kebab, des biscuits en truc, une porte secrète, lingot de garnette. Les textures sont vraiment bien faites, par exemple. Holy shit. Donc, ouais, ben, je pense que c'est tout, les amis, pour notre premier épisode. Je vais juste vous. J'ai réfléchi, puis je vais recruter vraiment des abonnés. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour être recruté dans ma faction abonnée? Premièrement, il faut jouer sur Opsify, parce que si vous jouez pas sur Opsify, vous n'avez pas déjà joué sur Opsify, ben, ça va être un peu difficile de me rejoindre, quoi. Je voudrais quand même que vous ayez un peu d'expérience, quand même, parce que moi, j'ai pas beaucoup d'expérience. La dernière fois que j'ai joué à Opsify, c'était à la version 3. Il y a très longtemps, je pense qu'il y avait Monsieur Bilka qui était encore là, il y avait Fanfi qui bossait aussi sur le serveur, etc. Ça fait vraiment très, très longtemps que j'ai pas joué à Psyfight, comme les histoires de corps, etc. pour le titanium. Avant, je sais qu'il y avait un corps de titanium. Je pense qu'ils l'ont retiré. Je suis pas certain. Attendez, on va checker. Non, il est encore là. Le corps neutre, le corps de titanium, etc. Mais en gros, pour l'histoire de corps, je sais pas trop comment les obtenir. Il y a aussi les armures. Je sais pas comment obtenir l'armure verte qui est la meilleure. Je me souviens qu'il y avait une armure qui était verte. Ouais, celle-là, là, en obsidium. Je sais pas comment l'obtenir non plus. Ensuite, la manganèse, ça, il faudra juste miner pour en obtenir. Je pense que ça va vraiment se faire facilement. Je sais pas non plus comment on fait pour avoir ces items-là. Je sais pas le joint, etc. Comment. Ah, ok, on peut voir comme ça. Ça, c'est pas un item qu'on peut avoir. Mais le joint, on peut l'avoir. Donc, ça prend des feuilles de cannabis. C'est quoi ça donne, ça, en fait, le joint? Ah, on peut pas savoir. Ok, le kebab, on peut pas savoir non plus. Le feuille de cannabis séché. On doit mettre des slabs, ça, une épée, peu importe, n'importe quoi. Avec une feuille de cannabis séchée pour la faire devenir une cannabis normale. Ok. Ça nous prend des lingots de xignum. Mais comment on obtient les poudres? Puis comment on obtient les minerais? On peut pas savoir, hein. Ok, ben, on va. J'espère que vous allez pouvoir m'aider là-dessus, les amis. Qu'on va pouvoir. Orbe de réparation. Ah oui, ça, c'est genre, tu peux le. Réparer ton stuff en PvP et tout. Je me souviens de ça. Ça, c'est nice. Ok, ah, oh, ok. Ok, regarde, en gros, un corps neutre. Ensuite, t'ouvres un corps neutre de lingots d'obsidienne. De lingots de. Ok, ça au moins, on sait comment faire. Oh, la tête est bizarre ici. What the fuck? Ok, donc, j'espère que la vidéo. Ah, il vous a fait plaisir. Il est rendu 5h30 du matin. Je pense qu'il est vraiment temps que j'aille dormir, les amis. Donc, en espérant que la vidéo vous a fait plaisir, si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu. Et comme je vous dis, pour les recrutements, c'est très simple. Vous mettez dans le commentaire depuis quelle version vous jouez à Psyfight, pourquoi je devrais vous recruter vous et pas un autre. Et puis voilà, ça me ferait super plaisir. Je suis parti d'écouter la vidéo, j'aimerais que tu mettes quelques kits, au moins un kit PVP, pour pouvoir avoir des potions et pouvoir proposer des contenus PVP. Parce que sinon, comme je dis, je joue pas beaucoup, les amis. Donc, si vous avez aussi des dons de potions ainsi que d'armure un peu meilleure que ça. Ça serait grandement apprécié que vous puissiez me en faire part pour que je puisse proposer des meilleures vidéos de qualité. Je sais que je demande un peu les dons, c'est pas mon habitude, etc. Mais comme je dis, j'ai pas énormément de kits sur le truc et j'ai pas envie de dépenser de l'argent sur un serveur Minecraft. Donc voilà. En espérant que la vidéo vous a fait plaisir, les amis. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, ça me ferait vraiment plaisir. Et si vous êtes rendu jusqu'à la fin de la vidéo, mettez dans les commentaires Icons avec un cœur et je répondrai à vos commentaires ou vous mettrez un cœur à vous aussi. Sur ce, c'était Icons des amis. Passez une excellente fin de journée. Je vous aime énormément. Encore merci d'avoir regardé. Ciao!